T'as besoin de crédit fit, n'hésite pas à aller sur IGVolt, mon gars, t'as 6% de réduction avec le code Clopi. Tout est dans la description, c'est rapide, fiable et sécurisé. Et sinon, t'as Halo Paradise pour les points FIFA, t'as 5% de réduction avec le code Clopi Boys Promo. Tout est sécurisé et livré très très rapidement. Et bien salut les amis, c'est Clopi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 7 et la fin de notre série Retour Cristiano Ronaldo. Voilà, je vous présente les derniers épisodes tout simplement parce que nous étions partis de 6 800 000 crédits et quels, comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, on est à plus d'un million 8, 1 million 9 crédits de bénéfices transferts de plus par rapport à cette base de crédit qu'on avait. Et donc aujourd'hui, voilà, dernier épisode, on a réussi à se payer Cristiano Ronaldo environ 2 semaines d'achat-revente, voilà, sans mettre un centime, sans mettre un euro, sans mettre un rond, vraiment, sans lâcher un petit billet ni le moindre point FIFA, voilà. Donc c'est vraiment une simple preuve, j'ai envie de vous dire, que c'est accessible à tout le monde. Certes, ça demande du temps, mais bon, si vous jouez à FUT et que vous voulez jouer avec les meilleurs joueurs, soit il faut passer par la CB, soit il faut passer par le temps d'achat-revente, hein. On ne peut pas tout avoir sans donner un minimum de choses, vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, n'oubliez pas de liker au max la vidéo, les gars, pour le soutien, pour le prochain retour. Parce que voilà, on a réussi à avoir ce retour Cristiano Ronaldo très rapidement. Et le prochain, il va encore monter d'un level. Je vous dis pas qui ça va être, mais franchement, là, on commence vraiment à passer aux choses sérieuses. Et vous allez voir qu'on arrête de blaguer, hein. C'est fini, c'est terminé. Et on aura besoin d'énormément de crédits parce que c'est un joueur d'exception. Voilà, bref, vous voyez juste là les ventes que j'ai faites dans la journée. Tout simplement parce qu'il y a eu les défis création d'équipe spécial Team of the Week. Donc, il nécessite minimum 83 de notes. Donc, forcément, tous les 83, tous les 84 que j'avais dans la pile, même depuis quelques jours, 2-3 jours, ceux qui partaient pas, se sont vendus simplement parce que les gens se sont rués vers ces cartes-là pour faire des défis création d'équipe. Et c'est pour ça que je vous dis, avec les listes que je vous propose, qu'il n'y a vraiment pas de risque. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des défis qui sortent, qui demandent les cartes que vous avez dans votre pile. Donc au bout d'un moment, ça se vendra. Si vous les vendez pas dans les 3-4 relances qui suivent, vous les revendrez par la suite. Il faut vraiment pas s'inquiéter. Et c'est pour ça que je vous dis toujours de ne pas baisser les prix, simplement pour cette bonne raison que vous venez de voir, hein. Là, les ventes que vous venez de voir, je les ai faites, le défi a paru, l'heure d'après, j'avais plus de 83-84 dans ma pile, hein, quasiment. Après, à peu de choses près. Mais tout est parti, c'est pour ça qu'il n'y a vraiment aucun risque. Moi, je l'ai fait pendant la semaine avant le Black Friday, je le fais pendant le Black Friday. Je vais le faire lundi pendant le Cyber Monday, vraiment, je m'en fous. La fuite millionnaire, je vous le répète et répète encore une fois, on peut la faire H24. Pour les postes modifiés, c'est pareil. Pour la techno rare, c'est pareil. Vous avez les liens dans la description, encore une fois, pour vous le dire. Avec les listes correspondantes, hein, vraiment, vous prenez les joueurs tels quels, vous appliquez les consignes, entre guillemets, et vous empochez, c'est pas plus compliqué, les crédits tombent du ciel, façon de parler, mais ça demande quand même du temps, donc voilà, pour vous dire la petite chose, il faut juste avoir un peu de patience. Donc voilà, Ronaldo en 2 semaines, sachant qu'en plus, ce petit coquin, ce petit malin, il a augmenté. Moi, je comptais sur le Black Friday pour réussir à le choper en tech 59 un peu moins cher, mais non, ça marche pas comme ça, Clopi, non, chez nous, ça marche pas comme ça, au contraire, son prix, il a commencé à faire comme ça, et voilà. On s'est pris une carotte, hein, j'ai envie de dire. Donc il est passé d'entre 1,6 million, 1,7 million à plus d'1,8 million. Donc je vous montrerai à la fin à combien on l'a acheté. Mais voilà, heureusement, j'ai réussi à faire entre 1,8 million et 1,9 million crédits de bénéfices transferts durant cette série-là. Ça fait 2-3 jours que j'ai les crédits. Mais voilà, comme j'ai dit au début, j'attendais le Black Friday pour essayer de faire une affaire sur ce Ronaldo. Je vais juste couper le son là parce que sinon, on va pas s'entendre, voilà. Et donc nous voilà avec notre ami Cristiano Ronaldo. Je vous montre juste les ventes que je rachète, puisque moi je m'arrête pas. On commence tout de suite la prochaine série, j'ai envie de vous dire. On n'est pas là pour blaguer. On n'a pas le temps ici, on n'a pas le temps. Parce que le prochain, il le demande des crédits, hein. Vous avez certainement déjà deviné de qui il s'agit. Mais voilà. Donc comme j'ai dit au début, n'oubliez pas de lâcher les likes, les gars, pour le soutien. Ça me motive encore plus. Normalement, semaine prochaine, des nouveaux live achat-revente si vous le souhaitez, avec également des combos en tech 59. Donc là, ce que je vous invite à faire durant les 4 jours, parce que je crois que les défis sont disponibles 4 jours, c'est les défis Team of the Week 10 invendables. Donc là, vous mettez une équipe à 83 de général, vous obtenez une carte de l'équipe de la semaine actuelle, minimum à 81 de général en boost. Bien sûr, elle est invendable. Et vous avez un autre défi Team of the Week échangeable. Donc là, par contre, il faut utiliser aussi 83 de général de notes pour l'équipe, 2 cartes boost et vous obtenez une carte, un pack avec une carte boost à 81 de plus depuis la sortie du jeu. Donc c'est intéressant, mais il faut avoir quand même beaucoup de chance, hein. Je vous le dis clairement, si vous avez des crédits en
en stock en plus, n'hésitez pas à faire des défis si vous avez de la chatte, il y a moyen de taper des trucs intéressants, mais sinon non, ne le faites pas. Le plus intéressant à faire là-dessus, c'est faire la tech 59 sur les 83, 84 qui ont bien up. Si vous regardez la courbe sur Futbin de l'index Gold, il a pris 4% d'un coup depuis que les défis sont sortis, mais c'est une fausse indication parce que les gros joueurs n'ont pas augmenté, les gros joueurs sont même un peu descendus en prix. Mais les 83, 84, ils sont à plus 50, plus 60, plus 80% par rapport à leur prix d'hier soir. Forcément avec les gros packs à 100K, à 125K, vous voyez. Et donc, il y a vraiment moyen de se faire des grosses affaires en tech 59 sur ces joueurs-là, 83, 84. Pendant qu'il y a les packs là, pendant qu'il y a ces SBC, vous les rachetez pas forcément en fut de millionnaire. Vous attendez que les prix baissent nouveau un petit peu. Parce que là, ça vaut pas le coup. Hein. Ça vaut vraiment pas le coup. Vous voyez, je les ai enlevés de ma pile. Les 83, 84 que j'ai vendus, je les ai tous enlevés de ma pile. Je les rachèterai une fois que les défis seront plus disponibles. Une fois que les prix auront retrouvé, on va dire, une allure normale, j'ai envie de dire. Donc voilà pour ceux qui poseraient la question. Mais autrement, sur des joueurs fut de millionnaire moins de 83, donc 82, 81, 81, tout ça, vous pouvez faire de la tech fut millionnaire, de la tech changement de poste, tout ce que vous voulez. Il faut toujours 7, entre 7 et 10 contrats minimum, 95 de forme, un style très important. Et si par bonheur vous arrivez à choper votre joueur avec un poste modifié par rapport à son poste de base, voilà, c'est jackpot, bingo, on emballe, embellé, c'est pesé, vous vendez directement. Et pour les prix de revente, encore une fois, je me répète parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me reposent la question alors que je précise. Mais voilà, c'est très simple, il n'y a rien de plus compliqué. Vous mettez entre 1000 crédits et 2000 crédits plus cher par rapport à votre prix d'achat en fonction de la carte que vous arrivez à acheter. Si votre carte, elle a une carte chasseur, une carte ombre, vous la relistez 2000 crédits plus cher si elle complète bien les critères contrat, forme et style. Et sinon, bah, vous le mettez un petit peu moins cher. Après, c'est à vous de jauger, comme je vous le dis tout le temps, c'est un peu au feeling. Vous le sentirez par vous-même au bout d'un moment à combien il faut relister pour que ça parte plus vite. Des fois, je reliste seulement un joueur seulement 1000 crédits plus cher. Là, regardez, Ben Arfa, exemple, on le chope en chasseur. Je le reliste 1400 crédits plus cher, je crois. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui vous arrivent facilement, quoi. Au bout d'un certain temps, à force de pratiquer, vous y arriverez. Et puis, comme d'habitude, je vous le répète, si vous avez des questions par rapport à toutes les techniques que je propose, tout ce que je peux vous dire dans une vidéo, bah, vous mettez un petit commentaire et je répondrai. Sinon, vous pouvez venir me voir sur mon Twitter. Pareil, il est dans la description, c'est simplement Cloppy Boys. Vous venez me poser une question sur Twitter, en général je réponds. Et sinon vous pouvez me follow puisque je vous donne des informations quand est-ce que j'investis, quand est-ce que je vends, etc. Après, je dis pas que vous devez me suivre, je dis pas que j'ai la science exacte, la science infuse, je sais pas comment vous le dites. Hein, j'ai pas une boule de cristal à côté de moi qui va me dire oui, demain les prix vont augmenter de tant et tant de pourcents, les prix demain vont baisser de tant et tant de pourcents. Non, non, non. Simplement, voilà, je suis pas un robot, j'essaye d'analyser du mieux que je peux et de vous donner des conseils. Après, vous prenez ou vous laissez, ça c'est libre à vous de faire ce que vous en voulez, j'ai envie de vous dire. Après, vous pouvez très bien aller voir d'autres traders, d'autres youtubeurs, d'autres streamers qui proposent sûrement peut-être mieux, quelque chose de mieux que ce que moi je vous propose à votre image. Mais après, c'est à vous de décider, à chacun de décider par soi-même, j'ai envie de dire. Et donc là, vous avez vu, j'ai aussi acheté des joueurs en tech avion, puisque voilà, les prix ont bien baissé, les prix vont remonter début de semaine prochaine sans problème, normalement, hein, sauf imprévu. Et donc, j'ai racheté sans problème. Hein. Moi, je vous conseille de racheter également. Le Black Friday est passé, les joueurs vont remonter tranquillement. Surtout les joueurs à moins de 100K, vous pouvez investir, il n'y a pas de souci. Et pour ce qui est de la tech avion, on va pouvoir recommencer doucement à la pratiquer au début de la semaine prochaine, là, en fonction de ce qu'ils vont balancer comme pack qu'il y a eu pour Cyber Monday. Ça va être un peu basé sur le même principe, il y aura des TCE flash, etc. Mais on verra comment le marché évoluera. Et puis, bah, je vous tiendrai au courant sur Twitter et puis dans les vidéos, bien évidemment. Et je pense que lundi soir, on se fera un petit live pour débriefer un peu de tout ça. Et pourquoi pas peut-être pour ouvrir des packs si vous êtes chaud, mais bien sûr sans mettre de points FIFA, hein, parce que je ne touche plus à ça. C'est comme sur Twitter, ça m'a un petit peu fait marrer parce qu'il y avait le boycott FIFA, le fixe FIFA, l'hashtag fixe FIFA, qui soi-disant avait posté des pétitions sur des forums, etc., pour ne pas packer pour cette Black Friday. Résultat, les 100 000 packs à 125K, ils sont partis en 5 minutes, même pas. Donc voilà, hein, boycott. EA, ils vont pas changer des trucs tant que les packs s'écoulent à une vitesse pareille, hein, je vous le dis. Après, pensez ce que vous voulez. Le jeu est fait comme il l'est. Voilà. Donc, je vous présente notre ami le portugais Cristiano Ronaldo. Voilà. Le joueur régulier avec la plus grosse note, hein, cette année sur FUT 94. Acheté 1 800 000 crédits. Voilà. Il était un peu moins cher avant le Black Friday. Mais c'est pas grave. Voilà. L'objectif, c'était de se le payer, de se l'acheter, de se le mettre dans son équipe, dans le club. Maintenant, il va y rester pendant un bon bout de temps. Et voilà. Donc, on l'a obtenu en environ un peu plus de 2 semaines.
avec de l'achat-revente uniquement. Certes, on en a fait tous les jours, ça a demandé beaucoup de temps, mais voilà, c'est faisable pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me suivre pour la prochaine série, à commencer en même temps que moi, etc., à pratiquer de la même façon et d'augmenter vos crédits et vous permettre d'acheter le joueur que vous souhaitez. Donc voilà, n'hésitez pas à exploser la barre de like, encore une fois, je le répète, mais c'est important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifs. C'était Clopy, amis, prenez soin de vous. Bye tout le monde.